vous avouer que c'est pas que ça m'inquiète pas, hein, c'est très malheureux ce qui s'est passé. Non, mais je ne connais pas les gens comme envoie la compagnie. Je ne sais pas qui c'est. Ce sont soit des mercenaires, soit des gens directement de la compagnie qui viennent. Je ne les connais pas. Comme je vous dis, les affaires viennent de Yartar, qui se situe à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. C'est les affaires que la compagnie m'envoie pour que je les revende. Je le connaissais malheureusement. Heureusement, j'allais dire, pas les gens qui ont malheureusement disparu. Et donc, ils étaient censés venir de l'Est. Est-ce que par hasard vous sauriez si vous n'auriez pas entendu parler d'un château des gueules pointues? Ni J'ai d'activité entendu de. parler des gueules pointues parce qu'effectivement, il me semble que. Je sais pas si c'était chez le maire ou quoi. Il m'a semblé avoir entendu parler des gobelins de gueules pointues, mais pas plus. Le maire en saura plus, d'accord. Très bien, bah, on va vous déranger plus Écoutez, longtemps. prenez soin de vous, puis je vous remercie encore de m'avoir ramené ces affaires. Il en allait de notre honneur. Je traîne un peu avant que mes compagnons. J'en profite pour traîner un peu et attendre que mes compagnons sortent commande de la boutique en fait, pour D'accord. discuter un petit peu avec elle. Donc Ok. je regarde un peu, je m'intéresse à ces étagères, je regarde, je flâne un peu. Et Et tu vois puis. que la porte qui a, on va dire au noir, pour elle, tu vois, puis je mets le token un peu plus haut, ce serait par là où elle range son stock d'armes et armures. Mais sinon, c'est un comptoir après où il y a quelques affaires. Qui traîne sur le comptoir et tout. Qui traîne, mais il n'y a pas grand chose, quoi. Ouais. Alors, je me dirige vers le comptoir, je me mets sur mes. J'essaye de me rehausser sur la pointe des pieds pour arriver au comptoir. Elle doit voir juste ma chevelure. Je lui ai pardonnez-moi. Est-ce que vous savez où habiterait Dame Alia Lépine? Alia Lépine. Est-ce que vous me reconnaissez? Je suis quelqu'un de très recherché ici. Alia Lépine. Oui. Ah wesh, c'est dans ton. Eh oui. Attends, je regarde vite fait sur tes notes. Cherche pas dans le scénario du commerce. Ça me dit quelque chose. Bah, si je te dis cap rouge, tout ça. Oui, j'ai compris, mais c'est pas ça, c'est que je cherche où aller là. C'est pas bien. Ah oui, oui, bien sûr, je la connais. Elle est au comptoir d'échange minier. Merci. Et je m'en vais. Voilà. Ok. Merde, faut que je note. Et que fait au fait Sildar? Bah là, il est avec vous en Ouais. attendant, il vous attendait, il vous dit bon, on va s'installer à l'auberge ou vous voulez que j'aille réserver des chambres pour vous si vous allez déposer vos marchandises, comme vous voulez. On peut se Bah on va retrouver. déposer nos marchandises, nous. Oui, on peut se retrouver à l'auberge de Montpierre. Oui, vous pouvez réserver les chambres, oui. Oui, faites donc ça, monsieur.
Ok, bon, il vous laisse et il part à pied vers l'auberge Montpierre. Et vous passez juste à côté, hein, vous empruntez le petit chemin qui serpente vers le nord pour rejoindre le comptoir de Barthen. C'est ça. Ouais, on va encore gagner des PO. Le comptoir de Barthen est le plus grand commerce de Phandalin. Ces étagères stockent des biens, des fournitures ordinaires comme des sacs à dos, des couvertures, des cordes, des provisions. L'endroit est ouvert du lever au coucher du soleil. Le comptoir de Barthen, par contre, ne dispose ni d'armes ni d'armures, mais on peut trouver à peu près beaucoup de choses à cet endroit. Le propriétaire se nomme Elmar Barthen. C'est un quinquagénaire humain. Assez, comment dire, avenant. Il emploie deux jeunes commis, Anders et Chardon, qui l'aident à charger et décharger les chariots, et c'est effectivement à eux que vous avez affaire quand vous arrivez. Deux jeunes hommes qui sont pas encore majeurs, hein, d'environ entre 16 aux alentours de 16 et 17 ans, et qui déchargent les chariots. Et lui, Elmar, se trouve dans la boutique. C'est assez mal foutu quand je disais que c'était le plus grand. Un peu. On s'en fout. C'est pas l'échelle. Ça fait plus petit que l'autre, mais. Ouais, oui, voilà. Et quand vous arrivez, donc le fameux Elmar vous accueille ensuite. J'ai bug, moi. Ouais, j'ai Fantasy Pour faire Grand qui. beau? Aussi, oui. Bonjour, monsieur. Là, il y a un couteau de boucher là. Oui, il a un couteau. Une dague. Sort de l'ordinaire. Bon, ben, je vais devoir. Jean-Jean, que puis-je pour vous? Nous venons pour livrer les marchandises. Les marchandises. Lesquelles? Et nous avons été missionnés par Gundren Chercheroche et Ah, Sildar Gundren. Ah oui, effectivement. Des frères Chercheroche. Vous avez le chariot donc? Oui, tout à fait. Bon, mais vous voyez qu'il envoie les deux jeunes décharger les marchandises. Et il vous paie la somme convenue, hein, qui était donc de 10 pièces d'or par personne. Je sais pas si vous vous rappelez. Ben là, on s'en rappelle. Ouais, j'avais noté ça. C'est bon ça. Et les niveaux et les XP qui tombent bien régulièrement, c'est bon ça. Et par contre, on doit vous prévenir, il y a brigands gobelins dans la région, on s'est fait attaquer. Et Gondren, il va bien? Non, justement, Gundren, il va pas bien. Il s'est fait enlever. Il a été amené apparemment à un endroit qui s'appelle le château des. Les gueules pointues. Les gobelins qui l'ont enlevé. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il faut faire quelque chose, il faut le retrouver. Ah, bien sûr. C'est bien ce que nous comptons faire. Vous savez, Gundren, ça fait un petit moment que je le connais. Je peux le considérer comme un ami maintenant. Vous savez, il était très excité de me parler de sa découverte. De la mine perdue du pacte. Ah, c'était sa découverte, c'était pas celle de ses frères? Si, si, c'était les frères Chercheroche qui l'avaient découvert. Ils m'avaient dit qu'ils avaient découvert une vieille mine qui datait du temps du pacte de Fandelver dans les collines dans la région, mais ils devaient justement faire venir du matériel pour aller prospecter, mais c'est bien dommage. Mais bon, tout ça a peu d'importance et il nous faut retrouver Gundren maintenant. Comptons nous y atteler avec le chevalier Sildar. Par rapport aux informations qu'il dit, est-ce que vous pouvez me faire un test, s'il vous plaît, d'intelligence, enfin, un Bon. test d'histoire? Ah, on a encore Alors, perdu quelqu'un. on a encore Antoine qui a disparu.
Il n'aime pas l'histoire. Et Stéphane, on l'entend pas. On voit, moi, je vois Ouais. le bleu qui s'allume et il est plus sur Est-ce que vous Fantasy m'entendez Home. ou pas? Si, si, Ah, je maintenant, on t'entend, ouais. Ouais, mais j'ai un problème de d'host. Il veut pas se reconnecter. Je suis en train d'essayer de voir dans ma box ce qui se passe. Là, t'as les os qui te font mal. Ouais. Eh ben. C'est la soirée. Mais il y a du vent chez moi, alors. Histoire, j'ai pas de points. J'ai manqué un bout, pourquoi on fait un jeu d'histoire? C'est par rapport aux dernières informations qu'il a données, c'est-à-dire de la mine perdue du pacte. Pour savoir si vous en savez un petit peu plus. Quel dommage. Je vais faire 14. Vous apprenez aussi par Elmar, les deux autres frères de Cherche Roche, Nundro et Tarden, ils campaient quelque part à l'extérieur de la ville. Mais je ne les ai pas revus depuis une bonne dizaine de jours. Attends, tu peux répéter leur nom? Nundro. Nundro. Et. Nundro et. Attends, je vais te l'écrire, comme ça tu verras. Ouais. Et Tarden. J'écrivais ça pareil. J'aurais pas mis le H. Ok. Donc ça fait une bonne dizaine de jours que je les ai pas vus, donc c'est une question de jours maintenant pour qu'ils viennent se réapprovisionner. Enfin, je suppose. Ils campaient à l'extérieur de la ville, à l'est? Bah sûrement, sûrement dans ces fameuses... cette fameuse mine, je sais pas où elle est. Ah, dans la mine, oui. À l'extérieur de la mine, bien sûr. Mais vous savez pas où elle est? Non, non, non. Et vous savez, c'était des gens bien, ces frères nés. Ils se laissaient pas marcher sur les pieds en plus. Là. Pas comme toutes ces crapules qui traînent dans la région. Là. Ces capes rouges. Là. Une vraie plaie. C'est quoi ces capes rouges? Des bandes de brigands? Ouais, ouais, ils rendent la vie dure à tout le monde ici, vous savez. Ils font du mal au petit commerce. Et puis, le maire ici, il a aucune autorité. On compte aller le voir, le maire, pour savoir plus où se trouve le château des Gueules Pointues. Vous voulez qu'on lui passe un mot sur... que les commerçants endurent? Ah, vous pouvez toujours, vous savez, j'ai déjà parlé au maire, mais il semble pas très préoccupé, ou du moins, je sais pas s'il a peur, et il fait rien contre ces brigands. Là. Ils font quoi exactement ces brigands? Ils extorquent? Ils cherchent des problèmes, ils extorquent de l'argent. Un peu une mafia. Ouais, ils traînent souvent vers la taverne là, du géant qui dort. Mais faites attention à vous, hein. C'est pas des gens fréquentables. Tu sais qu'il y a une autorité dans la ville, il y a des gardes, des... Non. Vous êtes autodidacte? Non, non, il y a pas ça. Il y a juste un maire. Ah ouais. Autogéré, vous pas d'autorité. Vous faites respecter la loi et l'ordre. Malheureusement, ici. C'est la loi du plus fort qui règne. Je pense que quelqu'un qui incarnerait la loi et la justice devrait s'établir ici pour la faire respecter. Mais où pourrions-nous trouver quelqu'un de pareil? Par exemple, moi-même, je me propose. Je n'extorquerai que moins d'argent. Écoutez, jeune homme, c'est courageux de votre part, mais faites très attention quand même à vous. Je n'ai pas peur de la vermine. on sait pas encore combien ils sont. Hein. C'est pareil. Dira vous aviez donc déposé vos affaires. Ça y est. Au comptoir de Barthen. Et on a eu des sous, c'est ça? C'est ça. Bah, t'étais pas déconnecté, tant pis. Quoi, j'ai pas eu l'argent, tu veux dire? Attends, je regarde.
Si, si, tu les as eus. Si, si, si. Oh oui, tiens, j'ai ça aussi, hein, comme Gaël. Ça n'est plus. C'est qui? Vous avez dit, c'est la mine du pacte, qu'est-ce qu'il y avait dans la mine? Eh non, justement. Ah, on sait pas. Malheureusement, non, on sait pas. Vos connaissances, en histoire en soi. Oula. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un avion qui décolle chez qui là? Non, il y a un double son, c'est ça. Ah, c'est chez Louis. C'est chez Louis. Faut faire joindre nous ou joindre via public serveur? Public serveur, Louis, public serveur. C'est dans un tunnel. Bah, il faut surtout que je vous active. Ce qu'on attend, ce qu'on entend en fond, en fait, c'est son ventilateur de. Ben, je pense que du coup le son est passé par le webcam maintenant. Ouais. Mais tu joues depuis ton camion, oui. Je jouerais pas mieux. Tu joues en conduisant, c'est comme toi, c'est comme Franck. Que lui, c'est le camion de déménagement, tu vois. Donc... Ça, ça y est, tu déménages, oui. Je vous vois pas dans la vidéo. Surtout, on t'entend plus, Louis. Enfin, t'as un son étouffé. Ah bah ouais, déjà. Sont pourri. J'ai recouplé le micro de mon casque. Parce que je supposais que vous alliez entendre un double son avec la caméra. C'est quoi, c'est ton groupe électrogène qui tourne derrière? Ça serait bien que tu repasses sur le casque. C'est quand même, parce que là, c'est. Wow. C'est pas audible. Attends, c'est pas audible, non. Je pense que. Ouais. Je coupe la webcam. Ah oui, ça a fait du bien. Je chercherai plus tard où est-ce que est-ce qu'on je la paramètre. Franck, t'en remercie. Merci pour mes oreilles. Ah, je pense que oui, ça doit être assez difficile de le jouer comme ça. Bon, bah on va aller à l'auberge, on va aller boire un coup, les gars. Bon, mais vous redescendez effectivement. Bon. À l'auberge de Montpierre. Par contre, est-ce que tu peux me balancer la carte de. Ouais, attends, je vais la trouver. Ah bah non, je peux pas la trouver. La carte de. La carte principale de Fandalin, en fait. Ça s'appelle carte de Fandalin dans les images. Merci. J'ai pas trouvé un nom plus original, désolé. Bah moi, c'est inidentifié au niveau des images. Non. Et identifié normalement. Ah non. Ah non non, je te promets. Mais pourtant, c'est ouvert moi. Chez moi c'est identifié. Alors attends. Vue de Fandalin, ouais, enfin. En bas. En bas, tout en bas. Y a ah oui, ok, c'est bon. Et sinon il y a carte de Fandalin, ouais. Tout en haut, tout en haut. Non, c'est bon, c'est bon. Merci Franck. Pas de problème. L'auberge se trouve au ici, centre là. De la ville, effectivement, se tient une grande auberge relais, nouvellement bâtie de pierre et de bois brut. La pièce principale est bondée de locaux trinquant à la bière ou au cidre, et tous vous regardent avec curiosité. Ah, du cidre! Surtout chez Tarn. Oui. Je repère quelques regards. Oh, il y a une grosse, roue. Lustre. Ouais. Ça sent les combats le épiques lustre. Sur le lustre, ça. Ah oui, oui, tout à fait. Tu pensais le jour. Là, je pensais plutôt à toi, la roue de l'instrument de torture, là, tu vois. Toi, psychopathe. Non, mais c'est parce qu'il joue un paladin, c'est pour ça. Tu vas parler. Enfin, voyons, monsieur. Wow. Cette modeste auberge de plusieurs chambres. Oui, et quand vous arrivez, ah les amis, vous voilà enfin. Bon, il vient vers vous, il vous explique qu'il a déjà loué. Il y a 6 chambres, il en a pris une pour lui. Et qu'il y en a d'autres si vous voulez vous installer. Il savait pas si vous vouliez 2 chambres seulement ou chacun une. Ça dépend, c'est combien Chacun une, s'il a réservé 5. C'est combien la chambre Silver Silver Silmar
Sildar. Sildar. Ah, super. Il est bien. Ouais, c'est bien, bonne idée, le scénario qui... Si vous voulez savoir, les mecs, ils ont fait une phrase de 10 km pour te dire, ils auraient mieux fait de mettre le tarif. Hein. Et, regarde bien le truc, un scénario. Si les personnages décident de rester, consulter nourriture, boisson et logement dans le livre de règles pour avoir une idée des tarifs. Celui qui a écrit le scénario, c'est débile. T'es un fainéant, je pense. C'était bon, c'était réglé quoi. Il temps et ça évitait de se faire chier à chercher dans le livre des règles. Voilà. Là, franchement, on a affaire à un génie, celui qui a fait ça. C'est pour t'apprendre ton rôle de MJ. Oh, t'as rien compris. Ah, ben alors, moi, chercher dans un livre en plus, hein. Bonjour. 450 pages, tu cherches le tarif. Attends, Franck, j'ai fait un module pour ça. C'est vrai. Ça s'appelle équipement. Logiquement, il y a tout dedans. Il y a les services et tout. Équipement d'aventurier. C'est bien. Le sceptre, le machin, le truc. Hop. Alors, hébergement à l'auberge par jour. Alors ça dépend, on est dans un. C'est quoi? Aristocratique, confortable, misérable, modeste, pauvre, riche. Équipement. On va dire modeste. Ouais. Il n'y a rien de marqué. Alors, hébergement à l'eau, le jour, modeste. Ouais. Pourquoi il n'y a rien de marqué? 5 pièces d'argent. Ouais. Par jour. 5 pièces d'argent. Ouais, ça va, c'est pas onéreux. Pire. Donc ça va. J'espère que t'es raccord avec les prix. All inclusive avec les carpas. Ah non. Pour ça. Et c'est toujours 5 PA dans DD5, c'est formidable. Hein. Ils sont raccord quand même sur les prix. Bah après, un repas, c'est 3 pièces d'argent, donc voilà quoi. Et le petit déjeuner, est-ce qu'il est fait compris? Oui, pour le prix, oui.